Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4, Please the Giraffe. Donc chers amis, on est sur la outpost, on est donc devant Frog Furnishing. On va s'acheter 1, 2, 3 Colony Deed. Qu'est-ce qu'on a comme journée? Basic Lamp, nanana, Retro Dresser, d'accord. Intéressant. Rétropod, rétro cabinet, rétro chair, d'accord, intéressant, j'aime bien le style. J'aime bien le style. Hop. Voilà. On retourne sur notre vaisseau, puis on redescend sur la planète sur laquelle on était dans le précédent épisode, donc la planète de type désert. On a pu voir plein de constructions différentes sur cette planète, donc pratiquement entre guillemets d'origine. J'aimerais donc essayer de les peupler. J'ai pris 3 colonies dites, je pense que ça devrait suffire. Je me rappelle plus du nombre exact de ces... Voilà, il y en a déjà une là, hop. Ça ne pètera pas la porte, c'est parfait. Je vais quand même rajouter... Est-ce que je vais en avoir sur moi? J'en ai pas pris à tous les coups. Non. Non, on va prendre... On va faire un slash admin, c'est pas grave. Hop. Moi, je suis allé voir qui c'est qui était sur le serveur, vous inquiétez pas. Wood. Voilà. Est-ce qu'on en prend des comme ça? Oui, on va prendre des comme ça, tiens. Hop, c'est pas grave. Crac. Crac. Je crois qu'il va lui falloir un lit aussi. On va bien voir, hein. Alors. Si j'écarte un petit peu la table. Si j'écarte au maximum la table. Est-ce que je vais avoir la place pour lui mettre un lit? Bed. Merde. Je me trompe de zone. Bon, de toute façon, je devrais pouvoir trouver le lit assez rapidement. Soit je prends celui-là, soit je prends celui-là. Celui-là. Prendre deux au cas où. Voilà, c'est pas grave. Et la lumière à l'intérieur, il me faut aussi la lumière à l'intérieur, je crois. Light. Alors, pas Floran, surtout pas. Ça, j'ai vu quelque chose de parfait, là. Hop. Ça me semble pas trop moche. Je l'ai pas pris. Craft. Voilà. Voilà. Bon, bah, ce sera un Apex. Pourquoi pas. Hop, sage admin, on se rebarre. Laisse-moi tranquille. Tâche de survivre, l'ami. Tâche de survivre, hop. Donc voilà ce qu'il faut pour avoir comment l'arrivée d'une colonie, chers amis. Il faut une table, je crois, et une chaise, et un lit. Une fois que vous avez mis toute cette fourniture-là, il faut aussi une lumière à l'intérieur. Et normalement, ça fait apparaître votre PNJ. Hop. Ah oui, il fallait celle-là aussi. Celle-là était cool. Mais alors celle-là, ça va être encore plus particulier, je pense. Hop. Voilà. Normalement, là, elle n'est pas conforme. Pourquoi il y en a deux? D'accord, ok. Je suis dans la colle. Donc celle-là ne va pas être conforme pour d'autres raisons encore. Je crois que c'est parce qu'elle n'a pas de toit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui en donner un. Comme ça. Hop. Ensuite, il va nous falloir un bois. Alors, un lit, pardon. Sand. Ah, ça va être... Donc, bed. On va y aller comme ça, en mode bed. Tu peux pas me donner de lit? T'es sérieux? Wood. Ah oui, c'est parce que je suis plus en admin, je suis bête. Slash admin. Hop. Hop. Slash. Alors on va prendre bed. Est-ce que je vais avoir un genre avec du sable? Ça pourrait être cool. Floran prison bed. Non, surtout pas. Rock bed. Ça aurait pu être intéressant, mais non.
Carbène, oui, mais non. Si je mets sand. Apex Rink. Ouh. Non, il veut pas me trouver sand. Bed, donc on va prendre un bed classique, entre guillemets. Avian bed, il est joli. Wrecked bed, non. Rest bed, non plus. J'ai bien envie de partir sur... sur ça. Voilà. Et au niveau des lumières, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver au niveau des lumières? Là. Ah voilà. Un truc qui rentre bien dans le style. Voilà. Ah! C'est un Floran. En plus, il veut pas remettre cette lumière là. Surtout pas un Floran. Meurs. 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 C'est quoi déjà ça? Ah oui. On reprend un deuxième, tiens. Meurs, je t'ai dit. Putain. Meurs. Nom de Dieu. En plus, il a une salle secrète, le salaud. Meurs. Parfait, merci. Hop. Ah, tout ça parce qu'il y a une putain de... Voilà. Ah, pas un Floran. Oh putain. Dégage. Putain, il tapait sur les bongos. Oh, le sac. Enfin, la sac. Il tapait sur les bongos. Bon, attends 2 secondes. Ça, hop, donc il faut pas de chaise apparemment, par contre il faut des bongos. Les bongos, c'est la vie. Ces conditions ne sont pas bien. Bah écoute, tant pis pour ta gueule. Hein. Voilà. Dégage. Mauvaise personne. Grossier personnage. Ah. Je préfère encore. Franchement, je préfère encore. Hop. Là, il y a un coffre. Avec un harmonica dedans. Ok. Ah, je crois qu'on va retomber sur la... Ah oui, il y a celle-là aussi. Oh oh. Oh oh. Celle-là, elle est épique. Qu'est-ce que c'est que ça, au-dessus? Donc, je récupère tout ça. Il y a même un œuf ici. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et normalement, à l'instant même où je poserai ça... Ah, Laking Dignity. Étrange ça. Moonkeeper Tenka, Laking Dignity. Je sais pas ce que ça veut dire, Laking Dignity.
Have fun. Et normalement par là je devrais tomber sur la... La comment la... Le premier truc tard que j'avais fait. Si quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire Leaking Dignity en dessous de son nom, ça m'intéresse. J'imagine qu'il y a une raison pour que ce soit là. Ah, il a un cadeau pour moi. Bonjour. Réveille-toi. Des carottes. Il m'a donné des carottes. Oh putain. Tout ça pour des carottes. On va refaire un tour rapide quand même. On va bien voir si jamais l'autre Tintouin il a... envie de me donner quelque chose. Là le premier. Ça je crois que je l'avais déjà fait. Hop. Ce serait dommage de rater ça. S'il a quelque chose à me donner. Non il a rien du tout. Par contre vous voyez lui il a pas de titre en dessous. Il a pas l'espèce de titre en dessous. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Leaking Dignity? Je sais pas ce que ça veut dire. Lacking. En manque de dignité? Attendez, je vais regarder sur Google. Hop. Lacking. Leaking Dignity. Ça doit être ça, je crois que c'est en manque de dignité. Dignité manquante. Leaking Dignity. Qu'est-ce que ça voudrait... Qu'est-ce que ça implique dans le jeu, alors? Est-ce que ça veut dire qu'il sera particulier comme personnage? Je sais pas. Ah merde, je suis encore en mode admin. Je comprends pourquoi je peux me téléporter tout le temps, maintenant. Mais lui non plus, il a pas de nom. Il s'appelle Clean, et puis c'est bon. C'est marre. Hop. Je reçois des mails. Ouais, regardez. Breaking. Alors. Moonkeeper Tenka. Breaking everything they touch. Je comprends pas le truc. Franchement, je comprends pas. En tout cas, il a une belle maison. Ça, je suis curieux de savoir ce que c'est. Reckling Boiler. Ah d'accord, c'est pour récupérer de l'eau. Hop, pourquoi pas. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va remonter sur le vaisseau. Si vous avez des informations sur ce personnage particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de suivre la chaîne. Je sais qu'elle est un peu courte cette vidéo, mais bon, à vrai dire, maintenant que j'ai fait ça, ces trois postes supplémentaires, ça m'en fait donc 1, 2, 3, 4 maisons sur cette planète. Je pense qu'on va voir déjà comment ça évolue au niveau de ce truc-là. Et ensuite, on verra donc ce que ça peut nous offrir. Donc encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.